Terre verte, c'est le titre d'un film documentaire qui a été projeté hier en avant-première à l'Institut français du Mali. Ce film de 52 minutes porte sur les conditions de travail des riziculteurs de l'Office du Niger. Des témoignages d'agriculteurs et autres acteurs du secteur sont évoqués dans ce documentaire. Il est produit par Ivoire Film et Communication en partenariat avec Bika Film et le Centre national de la cinématographie du Mali. Notre reporter Modibo Soaré s'est entretenu avec le réalisateur. Nous l'écoutons. Il s'appelle Boubacar Gakou. L'idée est venue d'une réalité que moi-même j'ai vécue. Donc ça me fait vraiment mal au cœur de voir ces paysans qui vivent dans des conditions comme ça, alors qu'ici on pense au paradis là-bas. Donc il faut qu'il y ait une conscience collective. Il faut que la conscience collective s'éveille pour que les gens trouvent des solutions à ce problème-là. Ça retrace le quotidien, le vécu de paysans, la condition de vie de paysans de l'Office du Niger. Le budget a été un budget de 80 millions. Les images que vous avez vues de la construction de barrages et autres, c'est les archives de la construction de barrages que nous avons achetées à l'INA de Paris. Je compte vraiment mener une campagne de visionnage dans la zone Office du Niger même, pour que les paysans voient vraiment, ils se retrouvent vraiment dans le film, quoi.